Salut à tous les amis, c'est Warlord, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Donc la dernière fois nous étions sur une mission qui s'appelait le déclin, donc il fallait amoindrir les ressources de Paros, donc tout ce qui était défense athénienne et tout ça, pour qu'on puisse donc lancer une attaque. Et donc on est sur la mission le blocus de Paros, on doit parler à Myrine, donc on y est, elle est juste là, quelques mètres. On va juste prendre l'ascenseur, voilà ici, et bah on va lancer la mission, c'est parti. Allez, viens ici. Les escaliers, ça existe pas chez moi. Tu peux parler. Des navires de Paros entourent le port. Maudit soit Silanos et cette saleté de culte. Quand cesseront-ils leurs ingérences? Oh. Ah, parce qu'elle les avait pas vus. Dis-leur que j'arrive. Un blocus? J'ai refusé de verser un tribut à Athènes et Paros tire profit de la situation. On ne peut plus espérer frapper les premiers. Je peux faire venir mon navire et nettoyer le port. Quoi? Seul face à tout un blocus? On va peut-être pas dire que ce sera facile, mais on va dire qu'on n'a pas le choix. Mais j'ai le meilleur équipage de toute la mer Égée. Sois prudent et reviens-moi, mon enfant. Il a des gants, là, Alexios, on dirait qu'il avait deux mains dans le plâtre, quoi, sérieux. Alors, détruire la flotte de Paros, bah écoute, c'est parti. Hop. On va s'en occuper. Easy, easy. Ah oui, alors, je voulais prendre des missions en cours. Alors... On va prendre ça. Voilà. Bon. Ça, c'est des missions pour plus tard. Hein. C'est pas vraiment important. Par contre, j'aurais dû faire un petit truc. Peut-être payer pour éviter qu'on se coltine. Ouais, parce que là on risque d'avoir les mercenaires en même temps sur la mer, ça va pas le faire. Donc on va payer toutes les primes. Voilà, donc là on va être tranquille. Et puis bah maintenant on va aller s'occuper d'eux. Hein. Hop, on va appeler l'Andressia. Et voilà mon petit navire. Il est beau mon navire, il est beau. Allez go, on part en guerre. Au poste de navigation. Bien, te revoilà. Appuie. Ils sont chauds, hein. Tous au poste de combat. Allez, comme dans Sea of Thieves. On va y prôner. Nous sommes à pleine allure. Voilà. À vos flèches. Je vais d'abord me faire celui-là. Tirez. Allez. Ils viennent droit sur nous. Non, c'est nous qui allons prendre sur eux, c'est différent. Les archers devant. Voilà. Edin. Les autres sont là-bas. Archers, sois là. Maintenant. Doucement. Allez, on va les enflammer. Hop. On va le faire. Même pas peur. On allez, vite. Oh my god. Un espèce de ralenti chelou avec un shot, ça fait vraiment bizarre. Ouais, dégage. Et je crois qu'on en a plus qu'un. Ça va être facile, franchement. C'est... Oh. Oh.
Grosse erreur de rester statique. Grosse erreur, crois-moi. Oh oui. Tiens là. Voilà, je te coupe en deux, moi. Ça c'est fait. Allons aussi vite qu'il est possible. Ah voilà. Allez, on retourne voir maman. Il a le style, hein. C'est une coque légendaire, ça, que vous avez toutes les semaines, en fait. Il faut battre des navires, en fait, légendaires. Et ça permet de récupérer la coque. Et celui-là, je trouve qu'il est vraiment stylé. Je commence à en avoir quelques-unes maintenant, mais celui-là est vraiment stylé, quoi. Allez, on rentre à la maison. Paré à nous amarrer. Tac, l'équipage spartiate d'élite en plus, ça claque. C'est bon maman, j'ai fini. Bon bah c'est bon. Je sais pas ce qu'il regarde l'autre. Le port est libre. Nous devons agir avant qu'ils envoient des renforts. Nous sommes presque prêts. Timo, on charge les navires. Ils seront prêts à ton signal. Alexios, un mot. Je t'écoute, vas-y. Il faut agir contre le culte. Notre retour en Laconia promet d'être dangereux. J'ai l'habitude. Et toi aussi. Je sais à qui faire confiance ici. Je croyais pouvoir en dire autant pour Sparte, mais cette nouvelle au coup du roi... Aspasia a découvert qui des deux rois était allié au culte. Mieux vaut supposer que les deux le sont. Nous devons chasser la corruption de Sparte, quel qu'en soit le prix. Bon, au moins, nous pouvons les affronter ensemble. Oui, pour tout ce que ces chiens ont tenté de nous prendre. Et ta sœur, nous la retrouverons. Reviens me voir quand tu seras prêt. Prêt à... Alors, l'atelier des Phaïstos situé au nord-ouest de la crique de Pandore en Malice propose des services uniques. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah, je suis prêt, moi. On est toujours prêt. Alors tu as toute ma confiance. Avec ton bouclier. Ou sur lui. Et maintenant, nous pouvons aller frapper le culte. Oh, belle épée. Un petit skin sympa. Oh, un petit niveau 42 en plus. Putain, j'en demandais pas tant. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous demande, la petite? Front uni. Ok, donc, détruire la flotte de Paros. Oh bah, on y va, mais avec plaisir. Sans souci. Allons-y. On va défoncer du... On va faire une petite bataille navale. Allez, go. Petit navire de Sparte là-bas. Hop. C'est parti. On y est presque. Donc là c'est Myrine sur le côté. Bon, moi je vais attaquer la grosse là-bas. Ça me plaît bien ça. Ah bah je crois qu'en fait c'est la petite qui va venir en... D'accord. Allez, hop. On enfonce les trucs. Toi tu vas prendre cher, je te le dis. Oh oui, tu vas prendre cher. Oh
T'as vu, maman? J'ai besoin d'archers! Hop, les deux en même temps, ça c'est pas la classe. Lâchez les flèches! Nous sommes en pleine allure! Boum! Allez, en deux! Ça c'est fait. Capitaine, ils ont l'avantage sur nous! En avant! Vitesse maximum! Allez, bim! Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, mon pote, moi je vais pas te lâcher, hein, je te le dis. Alors, merci bien. Archer en position. Par contre, on s'occupe de lui. Il nous embêter, lui. Augmentez la vitesse. À l'allure maximale. Allez, c'est vite. Hop là. On va les incendier. Allez, qui brûle. Allez, salut. Bon, et bah maintenant on va s'attaquer au gros là-haut là. Qui vient vers nous d'ailleurs. On va lâcher les voiles. On va se mettre comme ça. Préparez vos flèches. Oh, il part derrière. Rejoignez le large. Voilà, comme ça, là. Ça, c'est pas mal. Vitesse maximale. Archer, préparez-vous. Attaquez. Mettez le feu au voile. Archer. Ah, c'est quoi pour le fun? On va l'aborder sur. Amenez-moi ce flash. Plus de vitesse. Et hors de portée du feu. Les archers. Archer. Allez, on va l'aborder. Hop. On va aborder cette dernière. Oui, on va l'aborder. Voilà, on a fait la marche arrière, c'est... Oh, puis ça tombe bien en plus, le mec c'est un membre du culte. Alors ne me demandez pas pourquoi ils ont plongé, je ne sais pas. Ah bah apparemment il y a un adepte qui a fini, qui a pu suicider plutôt. Bah tant mieux. Là, j'ai pas compris comment il est mort, sauf si c'en est un qui l'a tué, mais bon, ça m'étonnerait pas. Et hop. Ah mince. Oh. Loupé. Ok. Voilà. Parfait. Oh non. Oh le bug de merde. Regardez où il est l'autre. Ah il est en dessous le navire. Non c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai eu peur qu'il fallait confirmer l'assassinat et là ça m'aurait cassé les pieds. En fait, c'était le bateau tout simplement. Bon, bah voilà, on a fini. Hop, on parle à Myrine. Maman, t'es fini, maman. C'est bon. Il faut contrer Paros. D'accord. Et on va la ramener. Allez, rameur! Relevez les rames! Quelque chose dans l'eau. On le repêche pas. Bah bien sûr. J'ai un navire amélioré moi.
Vas-y maman, c'est bon, on peut rentrer. Avant que j'arrive au port, suivant. Ah bah, apparemment, si. Allez, à boire. Pas de soucis, pas de problème. Oh, toi, tu sais pas la connerie que t'as fait, mon pote, hein. C'est pas la peine de taper, je te le dis. Les archers devant. Plus vite. Tirez sur eux. Maintenant, je suis pas prêt. Voilà. Lancez en flèche. Juste avant de rentrer. C'est nickel. Naxos semble à l'abri. Ensemble, nous avons fait beaucoup pour sa population. Mais maintenant, il faut oublier ses rivages et aller détruire le culte. Il est partout et nulle part. Ses adeptes sont innombrables. Par où commencer ? On va couper les têtes de la bête, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit aveugle et sans défense. Sparte. Sparte ? J'y ai toujours de l'influence et des alliés. Nous allons regagner notre foyer et le libérer de l'emprise du culte. Ce sera un exemple pour tous. Oui, mais dangereux. Le culte tient fermement Sparte. Il est temps que nous rentrions, n'est-ce pas? Oui, ensemble. Il ne me reste qu'une ou deux choses à faire ici. Dès que tu seras prête, nous partirons en Laconia. Je crois que tu as quelque chose à faire avant. Quoi? Tu dois retrouver ton père. Ah là 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 là. Comment est-il? C'est un homme difficile à décrire. Il est beaucoup de choses. Mais le seul moyen de le connaître vraiment est de le rencontrer. Alors, tu ne veux pas m'en parler? Il y a des détails que lui seul peut te fournir. J'espère que tu comprendras quand tu le verras. Tu trouveras ce que tu cherches sur l'île de Terra. J'ai indiqué le trajet à ton navigateur. Ouais, mon GPS, quoi. Nous reverrons en Laconia. Je viendrai. Que Poséidon te garde. Bon voyage. Terra. Bon, bah parfait, encore un petit casque, ça c'est sympa. Ça. Alors, Potidé. Ok. Les forces considérables approchent, des innocents meurent. Nous sommes prêts à donner tout ce que nous possédons. Viens Potidé en Macédoine. Ok. Ok, ok, ok. Bon bah écoutez les amis, on a terminé donc cette petite quête sympathique. Bah sur ce, on continuera donc ce sera rejoindre Potidé en Macédoine. Dans une prochaine vidéo. Et sur ce je vous dis à plus, salut.